Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce troisième épisode de Red Dead Redemption 2. Et nous revoilà repartis à nouveau dans l'histoire. On avait déjà vu dans le précédent épisode, ce sera donc une sorte de reminder. Chaque fois que je coupe la console, de toute manière, j'ai droit à la précédente cinématique pour l'instant, dû aux emplacements du point de sauvegarde. Hop. Ok, on est bon. Arthur, I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but look at you. I was always ugly, Dutch. C'est pas faux. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He'd see me now. What's left of me? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill, now you ride ahead and set the charge. Ça ne veut pas dire que je m'habille comme ça toute la journée, hein. Calmez-vous. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking, we could leave. I thought we was lying low. Yeah, come on. What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea, we're living. Look at me. We're living, even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice? Avec beaucoup d'argent dedans, normalement. Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? You know, he's a big railway magnate. C'est quand même un combo chemin de fer, pétrole, sucre, qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement lucratif. Manquerait plus qu'ils se mettent à faire de l'alcool, en fait, quand on y pense. Ou des armes. Ok. Bon bah nous voilà partis alors. Qui est donc Leviticus Cornwall? Exactement là où on a laissé la dernière fois. On va mettre la petite caméra des familles. Ah, il veut plus avancer. Okay, gentlemen, listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train eh ben, il est dans. North from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. D'accord. Bon bah, il s'est soigné un petit peu la patte. Bien. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. Ah. That's what we're after. Attends, j'appuie sur le truc pour qu'il reste appuyé normalement, pour qu'il reste à suivre. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yes, yep. Sir! Yes, boss! Good! Bon, now, ça passe plutôt on. Bien. Let's ride! Let's ride! Ouais. Cette musique est quand même vachement cool, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. C'est dit Halloween, je pourrais peut-être m'habiller comme ça. Oui, c'est nul un cowboy pour Halloween. N'hésitez pas à commenter vis-à-vis du costume. Partagez la vidéo, à liker la vidéo si vous le pouvez aussi. C'est gratuit, ça ne vous coûte strictement rien et moi ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas. Oh, pourquoi tu t'arrêtes?
Ah, commence à y avoir du vert par là. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same? Y'a vraiment pas envie de rester ici, hein. That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. Ah, on quitte la route. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. Okay. If the O'Driscolls are right, there'll be a stack. Pardon. There'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money. Once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Oui, monsieur. There's the water tower. Hold up here on the ridge. Eso. Is Bill there? Yeah. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Ah! Alors. Un instant. Normalement. Merde. Normalement, au niveau de l'aide, je suis censé pouvoir cabrer à cheval. J'y vais de ce pas. S'il te plaît. Allons-y. J'y vais comment je... Et du coup je... rigole mais... Par là? Ok, vendu. C'est parti. Par là, hein, ouais. Salut Bill. On sort. Sure? Of course. Can I help a little? All right. Okay, j'arrive. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay. Pas de souci. Allez, c'est juste ici. On est parti. Et bon. Connecter le câble. Ok, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur nous? On n'a pas de carabine ni rien. On va prendre une carabine, sait-on jamais. Je veux l'avoir sur moi le moment venu. Ah, il l'arrange dans le... dans le cheval. Ok, c'est parti. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Ok. I think so. Ok, cover your faces. The train should be here any minute now. Afficher la route des armes, nanana, afficher la route des objets. Sélectionner les vêtements avec R et appuyer sur L2 ou R2 pour défiler jusqu'à obtenir un masque. Ah, excellent! Excellent! Gants chauds. Hop, les gants sont équipés, oui, effectivement. Le masque est équipé. Non, il vient de l'équiper. Ok, je fais pareil. Hop là. On est parti. Gentlemen, it's time. Dak, pas de soucis. On est bon. Good luck. Follow you. Ouh. You all know what to do. Ouais. Pouic. Boum. Allez. Pouic. Boum. Merde. Quick! 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 Merde! You've got to be kidding me! Where did you find that moron? You said it was fine. So it's my fault. Come on! You're pathetic. You know that. Va te faire foutre, Dutch!
Comment ça, sauter sur le train? Geronimo! Oh, merde. Oups. Ouais, c'est de ma faute. Ouais, j'arrive. J'arrive. Attrapez Lenny. Arrête de gueuler. Tirez. Oh. Ok, pas de soucis. Moi, je prends par-dessus. Allez, saute. Ah non, il saute comme ça en bas. D'accord, ok. Hop, joli. Ok, du remontant. Prendre le remontant. On pourrait fouiller tout le train, hein. Vous avez vu? Ok, bref. On roule. Non. On l'occupe. J'y vais, Lenny. Non. Ah. Oh. Il m'a pourri mon. Encore un truc à me dire? Let's keep moving. Un monsieur juste ici. Ok. Ah, ils sont plusieurs. Ok, on fouille. Tu pouvais le faire planquer, tu sais. Ok. Ils sont deux. Hop là. On va manger un petit bout. Hop là. Ça permet pas de régène, mais bon, pourquoi pas. Oh, reste planqué. Ah, il est pas mort. Il l'a eu. On y va. Ok. Oui, oui, on y va, mais calme. Calme, bonhomme. Pouh. Il est tellement pressé. Il l'a eu? Hop là. Ouais, on a gagné, vous savez, on a gagné de l'endurance pour une raison que j'ignore. R2 pour viser. Eh, ça c'était beau. Ça c'était magnifique. On a le train. Elle est belle en plus cette locomotive, hein. Loco, loco. Ah, c'est pas fini. Ok. Oh, 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 mon ami. Hop là. Hop là. Et t'es qui toi? T'es tout bleu. Hop là. Tiens, il a survécu. Hop là. Il doit en rester un parce que je crois que j'en ai. Oh! Caillou! Hop là, headshot! Et son pote là-bas. Touché! Apparemment, la couverture pour le moment elle est pas nécessaire. Pourquoi je peux pas? Tu dégaines ou tu dégaines pas? Oh, tu dégaines? Ah, c'est parce que nos potes sont arrivés. Attends, je récupère 2-3 trucs sur les cadavres.
M'étonne. Munitions standard, vous avez vu? Chevalier en argent, cool. Bon, j'espère qu'il y a des trucs intéressants, le... Ouais, ouais, tu vas attendre deux secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe à côté de ça, il y a une harpe et un piano. Et c'est joli. Prendre le garde, Comment tu décris le mot prendre? Prendre le cigare. Prendre la friandise. Bonjour. Fermez le tiroir. Parce qu'on est des gens normaux. Et je ne joue pas à un jeu vidéo, je joue à ma vie. Pour ta peine, je vais fouiller le dernier tiroir du truc. Bourbon! Bah voilà, toi ça valait le coup de fouiller. Et je vais laisser ça bien ouvert. Genre, bas les couilles. Ok, oui, on est en forme. Il reste encore plein de gens ici, c'est très bien. Oh! We don't want to kill any of you. Any more of you. Enfin, pas plus, ouais. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. Four, three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake oh, y a up, pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur, je ne tirerai pas, il n'y a pas d'honneur à faire ça. Je ne tirerai pas, il n'y a pas d'honneur à faire ça. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Merci. Ça me pète les couilles de le faire. Too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Et... Ah, ah, c'est génial. Elles sont superbes ces allumettes. Ok. Les chevaux risquent de se cabrer. Même pas. Ah, ils sont nerveux quand même. Hein. Là par contre... Je peux pas y aller. Bizarrement. Ah là je peux maintenant, d'accord, fallait qu'il passe d'abord. Parti. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Hein? Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh yes. Should be easy as cake. Brandy de qualité! Tiens, il y a une lettre ici. Les ordres? Cela doit être les ordres en question. D'accord, ok. Cher monsieur Cornwall, nous n'avons toujours pas reçu le paiement de $2000 correspondant à la première phase d'exploration de la réserve indienne Wapiti d'Ambarino, comme convenu dans le contrat signé par Cornwall, Kerosene and Tar et la Leland Oil Development Company. C'était du 9 novembre 1898, pardon. Des réceptions des fonds, nous procéderons aux secondes et troisième phases du projet. Nous vous adresserons un rapport détaillé de nos découvertes d'ici un mois, respectivement vôtre, James Critchley, chef comptable, Leland Oil Development Company. Regarde ça. Cigare. Montre à gousset. Que de jolies choses. Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from. Un nouveau brandy de qualité, chers amis, on va pouvoir picoler à foison. Et une lettre. Cher Leviticus. Merci pour votre télégramme et l'intérêt que vous portez à la compagnie minière Jameson. Sachez que cependant que les rumeurs de mauvaise gestion et de difficultés financières à la mine d'Ansberg ne sont absolument pas fondées, je vous invite à vérifier vos sources. L'industrie du charbon est fort différente de l'industrie pétrolière et je reste ouvert à une réunion d'affaires à votre convenance afin d'échanger nos idées et de parler de nos domaines d'expertise respectifs. Je serai également ravi de vous accueillir à Ansberg.
et de vous faire visiter la mine ainsi que nos installations. J'attends avec impatience votre courrier cordialement, Archibald Jameson. Pas encore. Je garde tout ce qui pourrait ressembler à des preuves. Oh, dans le bureau peut-être. Liasse de billets. Miam! $25, c'est une somme monumentale pour l'époque. Allez. Ça c'est fait. Et... examinez la carte, vous avez vu? Fouillez le meuble. Cigare. Et rien de plus dans le meuble, malheureusement. Fouillez le meuble. Oh. Now, this looks like something. PPT? Ouh! Départ! Des obligations. Ah. Ok. Ouvrir le tiroir. Il n'y avait pas une carte? Un monsieur qui m'a dit qu'il fallait que je voie une carte. Non? Ok, bon bah j'ai dû me planter hein, sur le truc de l'affichage de la carte, je sais pas. Peanuts, Benenuts. Si, il y a une carte sous le bouquin là. Désolé. Désolé, il y a une carte sous le bouquin. Je peux pas. Je te fais pipi à l'arrêt. Voilà, c'est dit. Non mais oh. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Merci. Did you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride. Let's ride. Bon. Okay, get on the train, quick, all of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on, move. We won't tell a soul, I swear. Said quick. Bien, c'est parti. Alors j'imagine qu'ils vont avoir eu 40 fois le temps de s'échapper. J'aurais préféré les faire monter à l'avant avec moi. Malheureusement, ça ne va pas être possible. Ouais, c'est loin. Hop là. Ça, c'est alimentation en charbon. Montez dans le train. Démarrez le train. Tchou tchou. Ok. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Je suis un peu mitigé sur l'action là en question. Sur le principe du... bah, quand il n'y aura plus de charbon dans la machine, le train va juste s'arrêter. Vers l'est. Mais c'est pas par là qu'on va. So we getting out of this hellhole? Ah. We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well then, let's go. Ouais, ça semblait...
Putain, il est vraiment pas en forme, hein. I know you two like to talk about the good old days and what's going on with old Dutch. Il a pas du tout confiance en ma confiance en lui, c'est assez bizarre. Vachement beau. Et ils le savent, sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Il y a une mécanique qui est quand même bien huilée au niveau du groupe entier, c'est assez sympa hein, c'est... Ah, on arrive vraiment dans le... Ça c'est quoi ces grandes portes gigantesques? On se croirait presque dans WoW quand tu vois ces portes là. Énorme hein. T'es prévu ou... Everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me. Prendre la roue. C'était censé arriver ou... Énorme. Putain, il y a deux hommes qui soulèvent tout ce qu'il y a dedans. Oh, malade. Hop là. Allez. See? You ain't so useless after all. Not quite. Ils en ont viré un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il voit? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Ouais. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. Moi j'aurais fait signe aussi, vous voyez. Rien que pour la politesse de la chose. Ils nous regardent, on dit bonjour. C'est une... C'est un minimum. Ok, on y retourne. Allez, des cocottes. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. Non, non, moi je suis très bien où j'en suis. Les Indiens dans ces parts ont vendu un très raw deal. C'est le Heartland que nous allons. Good farmers et grazing country, ils ont perdu tout. Stolen clean away from them, it was every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? C'est pas faux. In spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on now. Sounds fancy, don't mean he knows a damn thing about what he's talking about.
So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. Regardez les lapins. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really. Vous avez chaud, cela se remarque grâce à l'icône clignotante. En forme de soleil sur votre noyau de santé. Tu vas porter des vêtements adaptés. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man and the drink had a mean hold on him. Deux secondes. I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Ah, je peux pas descendre. Je peux donc pas me changer. You never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. Hmm? What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Ok, donc apparemment j'ai chaud. J'ai hâte de changer ça. C'est une sacrée chose en soi. J'adore ce principe. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. D'accord. Cowboys, outlaws, working girls. Our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Ah, merde. Pinkertons? Let's hope not. The place we're going. Wait. What's it called again? Valentine. Ah non. It's a good place to lie low. It'll do for now. Okay. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him. But we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong. C'est magnifique. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. Regardez les biches. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. Ça m'embête, je les vois plus, hein. What are you working on there anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Oh? Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Thanks. Sympa. D'obtenir des plantes, vous pouvez les consommer pour remplir vos noyaux, les cuisiner, ou l'utiliser pour fabriquer des objets. Cool. Encore une fois, la nature regorge de plantes aux propriétés intéressantes, ramassez-les pour les découvrir. Parti. Toutes les découvertes que vous avez faites sont réparties dans le Wikipédia, ouvrez-la depuis le menu. Rubrique progression de mini-pause. C'est à gauche, c'est à droite, merde. There you are, brother. Head in there, follow the track for a bit. D'accord. Thanks. Hey, slow up. I'll jump on. Ok. Superbe. C'est magnifique ce jeu, c'est pas possible. Oh là 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 là. Faut pas aller plus vite malheureusement. Regardez ça, regardez-moi la beauté de cet arbre à droite. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Cool. Salut. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. Survived. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were onto something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Ah, d'accord. The last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Oula. Il a l'impression qu'il est de plus en plus nerveux, Dutch. Vous avez vu? I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck.
east of the Grizzlies and out of money, and a long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here, then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam, in a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Certes, mais... Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. Ouais. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. Je m'étais pas rendu compte du... One of you. De l'embonpoint. Whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. D'accord, donner l'argent des objets de valeur au camp pour améliorer les munitions et la nourriture, c'est énorme. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Vous pouvez dormir, vous raser ou changer de vêtements dans votre tente. Décompressé. Chapitre 2, Horse Show Overlook. Nice. Nice, nice, nice. On a 40 minutes, on a encore largement le temps de se faire un petit truc. Ah, carrément. Et là, on voit les masses d'argent qui sont accumulées. Pretty enough country called the Heartlands. Yeah? Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. Oula, j'aurais besoin de me raser, effectivement. I can see he's thinking a little clearer. Bon, on avait bien donc l'aspect stress sur lui. A little happier. Spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Yes? Jose? Café? Ah, c'est gentil. Mangez, buvez, reposez-vous pour restaurer vos noyaux. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. Donc il a monté un petit truc. Whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Pour l'époque, c'est tout aussi noble. Appareil photographique, d'accord, et puis... Hein? Quand même pas un appareil de... Ah bon, j'ai un appareil photo. Ok. Bon, c'est pour la forme, j'imagine. Ah, nuit, c'est une provision des fournitures médicales, se trouve dans le camp, le niveau de réserve s'affiche quand vous êtes près de la cagnotte. D'accord, Ok. Lyle Morgan. Chien. Famille. Ok. Fleur. Est-ce que je peux arroser ma petite fleur? Oh putain, non. Non, mais... Bien mieux que ce, que je... ce à quoi j'imaginais. M'asseoir. Est-ce que je peux en fait me raser? Parce que là, je suis vraiment pas beau, hein. Elle va te tenter d'aller dans un barbier pour t'en occuper. D'accord, partir. On va avoir un nécessaire de rasage pas loin, là. Juste ici.
se raser. Qu'est-ce que... Taillé, pommadé. Pommade pour cheveux, taillé, non non, taillé. Moustache, menton, favori. Ah d'accord, faut que je taille tout de suite. Ok. Rajeunissons-nous un petit peu. On peut laisser un petit peu de moustache si on veut. Ok, moi c'est surtout les cheveux qu'il faudrait. On n'avait aucune pommade à appliquer, dommage. Ok, on va être un peu plus beau comme ça. Il est toujours pas mal. Et d'accord, ok, on a toujours le même principe du ramener des animaux pour gagner de l'argent. La cagnotte, elle était au niveau de la... De là-bas ? La bouffe dans la cagnotte, elle est là-bas. Ok. Oula, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Hop. La cagnotte est là-bas. J'ai quelques objets déjà de valeur. Good morning, Arthur. Salut. Excuse-moi, je... Contribuer. Toujours partant pour aider un petit peu. Donner un objet. 5 dollars, 1 dollar, 8 dollars, 12 dollars, 3 dollars. J'en ai deux. J'en donnais 2 à 12 dollars. Hop. Et une à 8 dollars. On va donner 2 même. Hop. Voilà, j'en ai eu 2 cloches. Pas ce que ça vaut, mais. 40 dollars, c'est déjà pas mal, hein. Ok, donc on est un peu plus libre là, j'imagine. Ce qui est intéressant. On voit qu'on a quelques quêtes aux alentours. 8 degrés Celsius. Intriguant, intriguant, intriguant. On va prendre un canasson, on va aller se balader. What? Ça fait ultra mal! Il a loupé son saut. Bonjour. Oh, que se passe-t-il? Not a thing happens round here without an O'Driscoll saying so. Understand me? Consider this a warning. Bonjour. Go on! Get lost! We got him now! J'espère que canasson va bien. Wow! Je croyais que je t'avais tué. Autant pour moi. Mais apparemment il se passait quelque chose dans le coin si vous étiez là. J'imagine. Non? Je me trompe peut-être, hein, ça m'arrive. Non? Rien du tout? Ok. Étrange, étrange. Ah bien. Bon, je vois une petite ville. Est-ce que c'est là où nous sommes censés aller? Ouais, c'est là où on est censé aller. Cool. Voici Valentine, chers amis. Alors, je compte bien acheter et vendre 3 petites choses, des fringues, tout ça. Être un petit peu dans le mode RP. Valentine. Cheval est sale. Hop. Brossez-le dans l'eau pour le nettoyer. C'est vrai qu'il est dégueulasse. Hop, hop. Pourquoi je peux pas le brosser? Pourquoi je peux pas le brosser? Étrange. Mais bon, c'est un bon cheval.
On va le caresser. Ça va aller ? Eh bien. Je t'emmène quand même un peu plus loin, bonhomme. Là, on a... Ok. Là, il y a un truc apparemment dans le coin, une diligence. Ouais, on va aller se poser là avec le cheval. Oula, baisse de la... du framerate. Ah, je peux pas le mettre tout de suite, du coup. Voilà. Là, je le garde. Cool. Ça va venir, hein, petit à petit. Ouais. On peut pouvoir utiliser les diligences, d'accord, ok. Ça me semble logique. Une billetterie, ok. Les icônes pour les interrogations des missions félicitatives à effectuer pendant les, pour des inconnus. Parlez à l'inconnu dans la zone indiquée pour commencer la série de missions. D'accord. Énergie 50% vers le niveau 4. D'accord. Plus j'utilise mon énergie, plus j'en gagne. Logique. Et un saloon. Vous avez vu, il y a plein de gens autour de ce bâtiment. Bonjour. Ah! Barman! Moi, je peux pas boire ni manger. C'est nul! Same as always. What did you shoot the Newton twins? Who's your friend there? Okay. Twins. Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. D'accord, des grands hommes et une femme. Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. Oh. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. Kill him? I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Tu m'étonnes. You're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win. Freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. Oh, c'est pas beau. Well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame. I don't think so. Pas du tout. Je suis là pour me planquer. But you like fortune. I need money, sure. Okay. And forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Je vais aller buter Emmett toutes ces légendes. Ranger, Flacco Hernandez. Billy Midnight. Ils sont énormes. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity... Shoot him. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some sad, deluded fool like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. Tu m'étonnes. Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Ah, ça peut être intéressant. Get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. Okay. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flop house. Okay, okay. Et je viens de perdre 50 cents à me payer un verre de whisky. Okay. Il y a le shérif, il y a de la drogue. C'est génial cet endroit. Et c'est magnifique avec la montagne derrière. Morning, partner. Hey, try going around people.
Quand je cours, vous voyez, j'ai limite pas le droit de courir dans le jeu. Shérif, nanana. Un nouvel endroit. Smithfield. Gunsmith, R.L. Dalton. Ah. Un armurier. Bonjour. Wow, new marksman in town. Welcome. Well, I use this space as a blacksmith too, so. Pétez le catalogue. Let me know if you need me to grab something for you from the catalog. Careful with the pages. Dans nombreux magasins, vous pouvez interagir avec les objets sur les étagères afin de les examiner ou de les acheter. Revolver, pistolet, carabine, fusil, fusil à pompe, munitions, accessoires. Accessoires. Huile pour armes. Ceinture de holster améliorée, 58. Toute la peau des fesses. D'accord, traduit 100% de l'autorisation des armes. Un revolver et pistolet, d'accord. Page suivante. Oh là 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 là. I let Sheriff Malloy and his boys know about my best deals, as you can imagine. Qu'est-ce que je peux les lire? Ah non, même pas. Je sais pas pourquoi il y a un petit symbole, ok. Ok, ok. Dex. Eh, never mind. Worth a shot. Balle pour revolver haute vélocité. Waouh, l'homme en question est un. Est un vrai de vrai. Les flèches, je ne peux pas par contre. Oh, il a regardé, regardez ce qu'il a là. Waouh. Qu'est-ce qui se passe si je passe derrière? Oh, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Si je personnalisais mes guns, par exemple. Ah, il y a besoin de fusil à canoncier, couteau de chasse. Couteau de chasse, je peux le personnaliser. Style, d'accord. Métaux. Lame, ouais. Je peux mettre une lame en or, ça m'intéresse tellement pas. J'ai quoi? Moi j'ai du fer. Ouais, je vais prendre un acier. I keep it down. Understand? J'ai pas d'argent, d'accord. Ou alors c'est parce que mon argent est derrière moi. Attendez, je regarde, vérifie, mais. Ouais, mon argent est juste là, mince. Hop. Gravure sur métal. Gravure intégrale. Waouh. Ouais, non, c'est pas. Non, ça me semble pas. Le vernis. De la poignée, par contre, oui. Oui, bah ça, c'est très très clean, ça. Why not? Tain, c'est énorme de pouvoir faire ça quand même. C'est absolument énorme de pouvoir faire ça. Si je voulais imaginer, améliorer, nettoyer, je pourrais nettoyer mon arme. Oh la vache. Composant. Cross. Cross standard. Cross en bois de fer. Cross en nacre, ça pourrait être joli. Canon. Longueur. Waouh, canon court. Canon long. Et regardez, ça augmente la précision. 12$. Ah, oh, c'est magnifique. Les rayures à l'intérieur du canon. Oh, c'est génial. C'est absolument génial. La mire. Mire standard, mire améliorée. Oh, c'est divin. Les styles. Métal, par exemple, si je voulais que le canon soit. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Imaginons, je veux améliorer ma carabine. Déjà, je peux nettoyer l'arme. Une fois qu'elle est nettoyée, je peux changer des choses. Imaginons le canon. Je peux modifier les rayures. Oh la vache. Oh, c'est énorme. C'est juste énorme. Protection. Pas d'enveloppe, enveloppée. Ah, oh, vache. Oh, mais c'est énorme. Oh, mais c'est énorme. Pfff, style.
Oh la vache, on peut même mettre le cuir. Oh la vache, si je mets la protection, je peux même changer le cuir, c'est débile. Ah, oh, c'est poussé à fond, c'est juste énorme, j'adore. Excusez-moi, j'ai peut-être passé 20 minutes là-dedans, mais... Pff, c'est... Et donc sur le catalogue, si je voulais voir les armes... Peut-être le holster serait plus intéressant. Hein. En termes de revolver, qu'est-ce que tu vends, bonhomme? Waouh, 65$, 50$. Lire. Revolver Cattleman, c'est celui que j'ai déjà. On peut même voir les stats dégâts portés. Ça, c'est un peu moins RP, on peut dire. Tain, celui-là, il a l'air un peu mieux, quoi. Ah, le revolver double action, je viens de voir le titre. D'accord, ok. Les Scofield, ah, oh, 84, 150. Le volcanique, ah, semi-auto. Ça, je n'utiliserai jamais ces trucs-là. Waouh, c'est énorme. C'est absolument... Je suis désolé, hein, je suis un peu... Je suis à fond dedans, hein, faut le dire si, hein, je suis complètement à fond dedans, mais... Il y aura soit un double action, soit un Scofield. J'aime pas la tronche du volcanique, même si... On verra bien, on verra bien. En pistolet, qu'est-ce que t'appelles des pistolets? Ah oui, c'est les pistolets automatiques, ok. Ouais, non, les pistolets, c'est pas mon style. En fusil, qu'est-ce que t'as? Le fusil à petit gibier, ça va être pour la chasse. Le fusil à verrou, à 180$. Le Springfield, à 120. Ah, la vache. Le Rolling Block, il est de retour. Ah, oh, le Carcano aussi. Ah, oh, c'est tous des fusils à... Oh, putain. Du premier. Répétition forcément et les balles. Waouh. Flèche. Ils ne vont absolument pas d'arc. Hein. Ouais non, au début je serais plutôt intéressé par des holsters qui permettraient d'avoir plus d'armes. On verra le moment venu. En tout cas pour l'instant j'ai tout ce qui m'intéresse. Merci. J'ai pas suffisamment d'argent pour me permettre ce genre de choses. Faudrait que je trouve un endroit pour vendre mon argent, pour vendre mes objets. Ce qui serait potentiellement. Y'a un mec qui vend le journal là-bas. Un autre saloon ici. Cool. General Store, voilà, ça va sans doute être là-dedans. Pardon monsieur, excusez-moi. Muy bien. Et tout. Il arrivait quelque chose à mon cheval apparemment. Si t'as des choses à acheter, si tu veux acheter des choses. Mais c'est pas ça que je voudrais te vendre, moi. Ah, il prend pas tout. Comment je vais faire pour receler... Ah, la vache. Ah, oh, c'est énorme. Je suis désolé, hein, je suis à fond dedans, hein, mais c'est énorme. C'est criant de réalisme, en fait. C'est... Alors du coup, où est-ce que je vais pouvoir vendre mon bordel? J'ai un boucher. En fait, ce qu'il faudrait que je trouve, c'est un prêteur sur gage. C'est juste énorme. C'est quoi, un spectacle? Hôtel, boucher, magasin, médecin, saloon. Apparemment, il y a ravière, médecin. Ok. Armurier, vendeur de journaux, saloon encore. Ok. C'est véritablement intriguant. Ok, ok. Eh ben, c'est énorme. C'est juste absolument énorme. Il y a une banque. Il y a une banque ici. Oh, je vais faire le tour vite fait. Par principe. Il y a des barreaux partout. Ah bon? Ah, c'est énorme. C'est juste énorme. Oula. Oh, ça doit faire mal. Ah. Ah la vache. C'est d'une violence, cet univers. Je suis désolé, hein, je suis en train de...
de regarder à droite à gauche en me disant, oh, putain, qu'est-ce que ce jeu, il est bon, quoi. On va aller voir le au drugstore. Peut-être que lui va accepter de me prendre autre chose que de... la, enfin, de la drogue, en fait, entre guillemets. Vendre. Ah. Non, pareil. Remontant puissant, la renforce modérément, d'accord. Ça se vend pas si cher en plus, hein, c'est ça qui est le plus fou. Ah non, j'ai rien en fait hein, quand il pense. Hein. J'ai pas de thunes. C'est vraiment la chasse qui va permettre de... Oh la vache. Vous avez lu, en plus des affaires habituelles, certaines boutiques mènent des affaires illicites. Vous pouvez les découvrir en explorant les environs au détour d'une conversation avec un inconnu. Hey. Acheter un journal. New Hanover Gazette, numéro 27. Tu veux. Make sure you come back tomorrow. Papers here. Get your papers right here. Mister. Partner. Saloon. Oh là là. Bah c'est le même que tout à l'heure, je viens d'y rentrer dans celui-là. Ouais, c'est ça. Celui-là m'intéresse pas de saloon. J'aimerais plutôt aller. On va quand même aller dans le grand saloon de tout à l'heure. Hop. Celui-là que je voulais aller. Non, ça c'est l'hôtel. Est-ce qu'il est le saloon? Là. Oh, t'as pas mal. Wouhou, allez. Allez, le vrai. Boum. Et là, la musique s'arrête. Non? Wouh! Ah bah on va finir sur un poker. Allez, c'est tout bon. Gentlemen. On va faire un petit poker avec vous? Oh, c'est dommage. Ah. Oula. C'est des implants, c'est pas possible. Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Oh, oh, ça la refroidit sec. Well, I must say. You got a fine way with the women, amigo. Yeah. You trouve? Regular dandy and a charmer. Where's Bill? Hey, Chin. Oh man, I dread to think about it. Hey, hey, hey! There he is. Watch where you're going. Take it easy. Are you about to kiss that guy or punch him? Boom! Oh, okay, bataille de bar. C'est pas du tout ça. Aïe! Ah, mais comment je lève les poings? Non, c'est pas ça que je voudrais faire, moi. Allez. Aïe. Allez. Allez. Comment je pars les coups? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Copain qui prend cher. Allez, salut. Pas très propre hein, ce qu'on vient de faire. Boum. Il a rien senti. Lâche-moi. Lâche papa. Allez, dégage. Putain, il en a pris dans le buffet pourtant lui. Boum! Mon chapeau. Go get Ravière. Bon bah je vais chercher Ravière. Hop là. Aïe. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Oh putain! Come on, pretty boy. Tu veux te la mettre? Tu veux te la mettre? T'as cru, toi? Il bloque bien. Hein. Tiens, bouffe. Ah, vache. Et tu me lâches. Boum, 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 boum. Boum. Aïe. Lâche-moi. Mais merde alors. Ouf. Aïe. Pouah. Wow, 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 tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dégage. Dégage. Mon cul t'appartient pas. Je suis dégueulasse en plus. Non mais où t'as cru? Aïe. Aïe. J'ai besoin d'un coup de main, il est imbattable en fait. Et lâche-moi. Et tu vas me lâcher, oui. C'est quoi cette grande lumière? C'est le soleil d'un seul coup? Allez, dégage! À mon tour! Tiens, bouffe! Bouffe! Bouffe, Tommy! Bouffe mon poing! Mange mon poing! Dégueulasse! T'es dégueulasse! Tu me fous par terre! T'as dégueulassé mon costume! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir! You won the fight already, surely that's enough! What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Oh, j'ai pris cher quand même. Bon, je vais remettre la caméra parce que ça me dérange. Making new friends again, I see, Arthur. T'as vu ça? Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. La musique est vraiment très bien parce qu'elle est présente quand il faut et absente quand il faut. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles. I've missed you. Ah, j'avais même pas reconnu Charles. Looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. Les gants blancs, vous avez vu la différence entre nous qui sommes dans le sale et lui qui est habillé comme un dieu? And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters. Oh, ça m'intéresse. How much money the government will pay them? I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, ça fait mal. Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out. Je suis dégueulasse comme c'est pas possible. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Merci. Join them when you're ready. What about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Non, pas là-dedans. Come on. T'appelle ça propre? Mon cheval aurait pas faim par hasard. Je crois que c'était lui qui réclamait de l'argent. Elle est là, d'accord. Oh là, t'as l'air malade, mon ami. Vétéran mendiant. Mister. Hey, brother. Oui. Oh la vache, il a pas de bras. I'm too old to get a job, mister. Way too old. Ouais. Can't we be friends? Ouais, si tu veux. Sure. I'm so happy.
I ain't had a friend in a long time. Il s'est abonné. Abonnez-vous aussi. Long time. My last friend died. Weren't my fault. They said it was, but they was wrong. It's fun being with you, mister. Can I hold you a second, mister? Can I? Il y a un Anguille sous roche. Mais câlin si tu veux câlin. Ok, just quickly. That felt good. It's nice to be held sometimes. Oh, we used to hold each other in the war. You got sad eyes, mister. Il me suit. Like you've seen sad things. Remember with kindness. C'est bon, il s'en va. Oh, dis donc. On va aller voir ce qu'il y a par là. Et c'est fermé. Ok. Tant pis. J'ai un peu curieux de savoir tout ce qu'on peut faire dans cet univers en fait. Cattle. Haha, énorme. Ouais, donc c'est bien ce qu'il disait, il y a du bétail et des chevaux et tout ce qu'il y a dedans quoi. Oh le chien. Oh le chien. Ah. You okay, boy? Hey, boy. Oh, tiens un beau chien. Oh, ça c'est un beau chien. Oh. Ça c'est un beau chien. Oh. Hey, boy. Oh, ça c'est un beau chien. Allez, mon pote. Oh, t'es gentil comme tout. Oh, il me suit! Ah non! On va bien avoir un chien. Oh, il était adorable! Bonjour! Qui êtes-vous? Evening. Ok. Étrange. Il y a le campement là-bas avec la fumée. On va retourner au camp. Il vient de chier devant moi. Alors on va te donner à manger mon pote, y'a pas envie de donner à manger, je sais que t'as faim. Tiens, mange. Hop là. On y va. On va rentrer au camp tranquillement. Et on va se laisser là pour cet épisode je pense. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de nos aventures. Dans le Grand Est pour le moment du coup. Et pas dans le Grand Ouest. Mais vraiment, en tout cas, dans un grand jeu. Je suis un petit peu... Vous avez pas lu votre... Vous pouvez le récupérer en accédant à l'inventaire de votre cheval ou à votre garde-robe. Oh. D'accord. Ok, j'ai récupéré mon chapeau. Cool. Wow, 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 canasson. On est un petit... Oh, t'es gentil. Oh, il est gentil. Il est gentil comme tout. Ah, j'aurais du mal à m'arrêter dans ce jeu, moi. Votre cheval est agité à cause d'un prédateur. Attendez, 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 attendez. Prédateur. Intéresse moi.
Seulement, je ne vois nul prédateur. Wouah! Wouah, je voulais juste regarder ce que c'était que ce cheval, mais il m'a niqué la race! What? Ok. Bonjour. Thought you'd be happy to be off that mountain. No, oh, I don't know. You ain't been yourself for a while. Worse than this. I was born into worse than this. Most of us grew up hungry. Just thinking about Jenny. All the people to lose up there. She seems so young, so strong. I know. Amélioration d'artisanat. What? Sacoche. Sacoche pour fortifier. Wow. Quartier d'Arthur, crâne d'alligator, oh énorme. Ah mais c'est énorme. Table du camp, genre je peux jouer, ouais d'accord. Oh c'est tellement énorme, tout ce qu'il y a à acheter, tout ce qu'il y a à faire. Oh, je vais me paumer là-dedans moi. Y'a pas une petite table de poker? Peu de fun. Je pense que si je continue à contribuer au camp, ça va venir, non? Je sais pas. Comme j'arrive pas à les vendre pour le moment, ça vaut pas le coup. Je sais pas ce que ça fait. Mais bon. Hop. Je deviens plus gentil apparemment. Ouais, génial. Enfin bon, les amis, je vous laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir laissé. C'était Marcus Bellus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!